à l'église de DM, le père fondateur est le pasteur principal et le senior pasteur David. Il est marié à Diaconesse Mamo Joana, père d'un fils Esaïe. Il est aussi lecteur à l'école ministère et philanthrope, et aussi écrivain de plusieurs livres. Conférencier de renom et pasteur principal, ses messages sont la jeunesse, la famille, la restauration, la loyauté et le rapprochement à Jésus-Christ. Premier jour, rappelle-toi ce qui se passait. Moi, je suis venu pour être restauré. Et donc, je fais restaurer. Le Seigneur fait restaurer la vie. Maintenant, oui, gloire, oui. Enfant, qu'est-ce qui vit? Oui. Acclame Jésus, s'il vous plaît. Acclame Jésus. Ceci dit, à l'église de DM, nous baptisons les hommes et les femmes selon le cœur de Dieu. Pourquoi ce matin, l'eau la peur? Je vais expliquer comment nous devons vaincre la peur. Beaucoup de monde, aujourd'hui, je peux vivre dans la vie chrétienne sans ça pour moi. Mais le problème, c'est quoi? Je peux vivre dans la peur. Mais pasteur, comment nous connaissons nos peurs? Parce qu'ils ne peuvent pas dormir à soir. Ils font partie, mais pas ici. Amen. Ils font partie, mais pas ici. J'ensemble avec moi profondeur. C'est dans ce qui nous pourra entrer ce matin. Amen. Il arrive l'air pour qu'il nous rende en profondeur, pour qu'il nous tire de la parole de Dieu une solution pour qu'il plus jamais nous répète au cours 2024. Amen. Vous dites une affaire, vous dites une vérité. À cause de la paix, vous connaissez combien de monde pas réussi 2023? Vous avez cause de mentir là? À cause de la paix, combien de monde pas réussi faire un business? À cause de la paix, combien de monde pas réussi avancer dans toute la vie qui est célibataire? Dis parce qui je te paie pour entrer en une relation. L'église, la paix, c'est un homme fatal qui le diable servit pour attaquer les chrétiens. Nous pourrions voir qu'une affaire bien important. Ben, quelqu'un qui n'a pas connu Jésus, qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme un Seigneur Sauveur, souvent des fois, on peut trouver la paix. Mais ben, du monde qui connaît Jésus-Christ, c'est ben, quelqu'un qui m'a remarqué tout le temps, dans toute la vie, bizin et une place qui je te paie pour faire quelque chose. Et l'église d'Aim, dans la Bible, il y a 365 fois qui bon Dieu dit ne crains point. Ah, je vais me suivre moi ce matin. 365 fois que la Bible déclarait que nous bizin pas fonctionne dans la paix. Pour quelle raison pasteur 365 fois? Parce que chaque jour, tu ne peux pas perdre. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y en a qui ne peut pas perdre ce matin? Chaque jour qu'il te vive, tu dois supposément vivre avec l'assurance. Aujourd'hui, chrétien, père pour faire business. Père pour poser candidat pour venir député. Père pour commencer une petite chose. Père pour commencer le ministère. Un autre gars encore qui nous trouvait aujourd'hui. Comme du monde, comme chrétien qui a prophétie, leur prophétie, jamais capable commence le ministère. Hein, maman jeune. Prophétie, pas pognée. Prophète l'autre, apôtre l'autre, évangéliste Saint-Tel. Il prophétisait pasteur qui m'en est appelé pour faire le ministère. Mais m'en a pas capable de fonctionner. Un des problèmes qui m'a chéna. Prophétie, beaucoup de prophétie. Plus qu'il y a 11 prophéties, m'en gagné. Et que ben, homme de Dieu qui sort à l'extérieur, vini. Mais moi, je suis tout le temps père. Qui dit moun pour dire? Comment dire comico? Qui dit moun pour dire si je fais le ministère à cet âge? Qui dit moun pour dire si je rentre à plein temps à cet âge? Qui dit moun pour dire si un pasteur salazène dans l'église? Qui dit moun pour dire? On s'en fout de ce que les gens pensent de nous. Ah, demande amen ici. L'église dit, mais écoute-moi bien, si ou père 2024, on n'a pas pour réussir. Si ton père s'en est là, un taquet de choses, on n'a pas pour capable faire. Parce qu'il a peur, c'est un homme fatal qui le diable servit. Comme mon gars dit, c'est même son premier homme, ça. Pour faire toi peur pour avancer. Encore une fois? L'imagination.
Ouais, beaucoup de monde imagine la paix. Tu peux bosser comme ça, côté un, comment appeler ça, et un gros canal comme ça en bas toi, tu as 5 petits bouts de place pour te bosser là. Avant même qu'il te bosse ça, non? Tu finis par être en chômage tombé. Vraiment, tu sais. Tu es arrivé de ça, tu es côté une falaise, tu sais ce qui est ça, tu viens là. Oh, tu sens que tu as la tête tournée. Qui ne fait de la tête tourner? Non, il n'y a pas de la tête tourner. C'est la peur qui ne fait de la tête tourner. Dis ensemble avec moi, la peur, c'est un sentiment. Yeah. Un feeling. Non, des fois, le Facebook, nous met une pause. Feeling good, feeling angry, feeling faim, feeling soif. Non. La peur, c'est pareil, ça. Tu gagnes un sentiment. Tu gagnes, tu feel la peur. La peur, c'est quoi? C'est un danger physique. Tu peux rouler l'automotocyclette. Tu fais un accident, tu les gars battent 100 000 allées. Pour la paix. La paix, c'est un moyen pour qui le diable servit pour empêcher toi créer ton propre business. La paix, c'est un moyen pour qui le diable servit pour empêcher toi rendre un mariage. Ou même continuer un mariage. Beaucoup du monde dit, mon pasteur, moi je compte ça du monde, là, comme un trouli, pasteur. Je t'aime, tu m'aimes, nous m'aimons. Mais arrive un certain moment, pas capable de continuer. Qui fait? Pasteur, il est payé un travail fixe. Moi je dis, si tout le monde qui faisait un moyen avec un monde travail fixe, mais ça range du monde qui fait un travail fixe, là comment tu peux faire? Je suis toujours célibataire. Pour la paix, elle ne pas mourir. Je vous dis, tout le fille, mon père d'un bon garçon, serviteur volant Dieu. Tout garçon, père d'un bon petit fille, qui s'en a bon dans la terre, moi je dis, moi. Jésus-Christ, même dit, c'est mon papa qui est bon. Fini faire l'école, forme 5, SCHSI, fini faire université. Le problème de nos sociétés, ça. Après, pas gagner un travail. Là, comme mes enfants, ils font forme 5, non? Après ça, je paye, pas connu moi pour travail. Dieu, Seigneur, aide-moi. Pour être vivre dans la paix, ça n'a rien. L'église, des fois, nous parle à nos comptes. Mais tout, des fois, mon chrétien, Dieu a une parole que moi n'a pas peur. Un chrétien qui n'a pas peur, il crée un mouvement. Et là, quelqu'un peut comprendre ça? Un chrétien qui n'a pas peur, lui crée un mouvement que Dieu inappelle pour faire. Tellement Dieu t'y peut harceler l'esprit. David commence le ministère. Commence le ministère, harceler. Je n'ai pas qu'à manger, je n'ai pas qu'à dormir. Harceler pour commencer ce ministère. Quand on accepte pour vaincre la peur, on crée un mouvement. Et dans le monde, pas qu'à redonner le. Quand l'inanzé, il sont dit, il peut tout faire. Papa arrive dans le ceux depuis encore l'on dit ça, il peut tout faire. Qui faire? La peur. Et c'est ces hommes qui le diable servit. Pour vaincre les chrétiens aujourd'hui. Les tristes, ça. Dans Maurice, il y a beaucoup de servants, de serviteurs de Dieu qui Dieu a appelé. Je paie dans chez de mari qui Dieu quand je commence ministère. Je te perds quand je te femme qui Dieu quand je te commence ministère. Et c'était mon tracas, ça. Quand on rencontrait maman Johanna, je me rappelle, nous perdons basse bague d'arrêt, tout le temps, on raconte cette histoire-là. Hein. C'est pas une histoire, mais c'est une vraie chose. Moi, j'ai dit comme ça, tu connais moi, mon vieux serviteur de Dieu. Est-ce qu'il t'a accepté? Mais je ne connais pas l'émotion, je connais à l'époque, là, il y a un joli garçon qui s'est dit. Alors, pour l'émotion, il dit oui. Mais vous êtes quand même commencé sans 1 roupie, 150 sous. De père, tu réfléchis l'autre même. Quand nous bien aller. Zis les temps, c'est le temps de mon business, commence fleurir. Mon père met une casse comme ça, puis de maman journal tous les samedis. Bon, j'ai la vie, rentre à plein intensité. Vous ne pouvez pas payer là? Non, je ne sais pas, tu peux payer mon place là. Arrête d'hypocrite avec moi là. Au père là, frère. Au père. Qui fait là? Au pas qu'on écoute ça pour aller. Je ne comprends pas le premier point là. Qui fait la paix qui a accès dans la vie? C'est parce qu'il dit pas ou pas qu'on écoute ça pour aller demain. Remarque bien dans la Bible quand on dit que c'est Moïse. Il dit, il ne craint point. De moi, amène ici. Ça du monde qui Dieu nous joigne. Jacob, ne craint point. Joseph, pareil. David, pareil.
tout homme qui est dans la Bible, même moi j'appelle Gédéon, ne craint point. Mais nous aujourd'hui, chrétiens, nous perdons. Une fonction de la paix. Alors ce matin, moi, je vais expliquer maintenant comment la paix il fonctionnait. Ça veut dire, c'est là qu'on nous dit ça. Mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Tiens, pasteur, raconte-moi cette histoire-là. Il y a un homme et une femme, un premier homme, une première femme qui Dieu crée. Il met Dieu dans le jardin d'Éden. Et Dieu, il donne une instruction. Dieu n'a pas pour manger sa fruit d'un arbre qui défend Dieu, qui ne t'a pas gagné droit à manger. Et arrive un moment, c'est le serpent qui représente le diable. La Bible dit, il est tellement risé qu'il descend dans le jardin, et il monte sur sa pied là, et il corrompt l'esprit et visualise aussi de la femme, visuel de la femme. Et la femme, il mange ça, fruit là. Et quand il mange ça, il donne ça aussi son mari. Et tout de suite, comment je dis mange ça, la Bible dit, je te lisais ouvert. Et quand je te lisais ouvert, je t'ai découvert qu'ils ont tenu. Et c'est la première fois, l'église dit, écoute ça bien, pour la première fois, l'homme gagne peur. Et ça veut dire ici, j'ai eu peur. Pour la première fois dans l'humanité, banen gagne peur pour la première fois. Pour quelle raison va se faire? Banen donne la voix de Dieu. Qui amène la peur manifestée dans la vie d'un chrétien? C'est le péché. Première petite chose qui amène la peur manifestée dans la vie d'un chrétien, c'est le péché. Mon père cause péché pratiqué, adultère, l'autre, non. Mon père cause de nos premiers papa, maman, qui appellent Adam et Ève, vu qu'il y a une issue, nous a quelqu'un qui sortit de Adam. Ah, il y a quelqu'un qui me suit ici. Vu qu'il est sorti de Adam qui est arrivé, nous avons ça ADN là. Dis ensemble avec moi ADN. Est-ce que vous pouvez comprendre? C'est pour cela que vous êtes capable, je manque, nous sommes un chrétien, mais si vous ne pouvez pas connaître Jésus réellement, le second Adam, ou pourrais-je tout le temps vivre dans la paix? Beaucoup de chrétiens, à ce moment-là, c'est l'église. Chrétiens, mais je t'en cours et dans la paix qui Adam et Ève viennent gagner. Beaucoup de chrétiens, encore chrétiens, mais encore, peut sauver la voie, mon Dieu. Quand vous dites à répondre l'appel, j'ai eu peur. Pour quelle raison? De pas encore connaître la vérité de la parole de Jésus-Christ. Et n'est-ce qu'il y a un peu comprendre ce matin? Alors, première quelque chose qui te besoin de comprendre ce matin, c'est vraiment laisse la vérité affranchir toi. Amen. Ah, mon cas a fait ici, vu que la Bible dit ici, et que pour connaître la vérité pour en toi. La vérité pour en toi? Libre de quoi? Libre de la peur. Adam et Ève, ils vivent tellement dans peur. Jusqu'à l'une bizarre commence, mais climément mouvement. Bon Dieu, c'est là. Mais tu m'aimes vous voir pour qu'il raison passer. Parce que les écluses des chiens fermées. Beaucoup de chrétiens, maman Jeanne, les écluses des chiens pas ouvert aux yeux de la tête. La raison qui te peut faire tes propres efforts pour te réussir dans la terre. Ah, il y a quelqu'un qui peut suivre moi ici. C'est à cause de ça qui te peut faire tes propres efforts. Beaucoup chrétiens, parce qu'ils ont peur. Je peur moi dans l'enfer. Quand on croit la va passer mon ancien dans l'enfer. 14 qui sont dans l'enfer. Moi, j'ai une mission dans le monde dans l'enfer. Nous pas convertis parce qu'ils nous perdent l'enfer. Nous convertis parce qu'ils nous ont enseigné un sauveur qui nous sauve l'âme. Ah, demande la main ici. Nous convertis parce qu'ils nous ont enseigné qui nous sauve nous, qui nous tient nous de la peur et nous amène nous dans la joie. Chrétien n'a pas fait Narnia pour peur. N'a pas fait le ministère pour peur. Fait le ministère pour la soumission à Christ. Fait le ministère pour qu'il te réponde de l'appel. Est-ce que vous pouvez comprendre ce matin? Et ici, nous trouvons, il y a tellement peur qu'ils ont découvert ce tenu.
Quand tu as un père, tu peux découvrir un problème avec toi. Je connais une maladie qui s'appelle l'asthme. Tu connais l'asthme? La plupart des personnes qui m'ont causé, qui m'ont pris, et des livrances et autres, comment l'asthme est créé? Ah, tu gagnes ça avant. C'est pas au père. Et c'est ça qui, des fois, le diable servit comme un genre patent. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, la Bible dit comme ça, ne vous inquiétez pas de te lendemain, mais toi, tu perds de te lendemain. Et ton voisin, j'ai dit, quand tu peux perdre, tu peux commettre un péché. Mon petit, ce que vous voulez dire là, c'est la parole de Dieu là. L'église dit, quand tu pratiques la peur, et la chrétien, peur que tu peux être côté. Les risques de je connais quelqu'un à chaque fois, les risques de ajoute un choc qui dit mon pégétement, ton choc qui dit mon pour dire, ton choc qui dit mon ceci. À chaque fois qu'il te fonctionne dans la paix, tu peux fonctionner dans le péché. Parce que la première fois que le péché fait pratiquer l'eau dans le monde, il fait manifester quoi? Donc, de dire ça bien sûr, il manifestait la paix. Pour la première fois, quand le péché est pratiqué, c'est quoi le péché? Parce que qui péché au pécosé là? Mon pas pécosé péché qui simplement pratique mon pécosé, la désobéissance à Dieu. Là, côté de la désobéissance, la paix est pour venir. Remarque ça bien. Il y en a qui vient me rendre pour moi ce matin? Est-ce qu'il y en a qui vient me rendre ici? Alors, la paix, c'est un des plus graves problèmes qui existait dans nos communautés aujourd'hui. Père pour fonctionner. Beaucoup qui gagnent dans l'appel au ministère, père pour trapper micro. Bon, madame, tu commences ça. À chaque fois, moi, tu peux bizarre faire une brainwash avec lui. Cause avec lui, explique-lui. Encourage-lui. Arrête, père, pour te trapper micro. Arrête, père, pour te prêcher. Et un homme de Dieu qui me connaît, lui, avant qu'il monte l'hôtel, il n'est pas capable d'assiser comme ça, là, comment m'assiser? Il est bizarre à toilette 20 fois. Après de retourner, qui fait? C'est stress là, déclenche la paix dans ce cœur. Et quand tu es dans la paix, tu ne peux pas rendre compte, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et ton voisin, j'ai dit, quand tu ne manges pas la foi, c'est là qui te plaire à Dieu. Et quand tu plaire à Dieu, bon Dieu bénis-toi. Mais quand tu ne manges pas la paix, tu peux commettre un péché et devant Dieu, tu n'as pas pour gagner un ennemi. Ah, il y a quelqu'un qui comprend ce matin? Quand on ne mange pas la paix à l'église, tu n'as pas pour fonctionner dans l'ennui. Dieu, mon cas, c'est une vérité ce matin? Bon Dieu, quand toi, il disait, trouve la foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. S'il trouve la paix, la paix, la paix, la paix, il n'est pas capable de toi l'ennui. Moi, je ne sais pas, c'est un pasteur, mon prénom, pasteur, mon père, comment vous payez ça? Toi, tu comprends? Toi, tu as la foi pour prendre, tu as la foi pour payer. De la même manière que tu as la foi pour prendre, tu as besoin de la foi pour payer. Demande la main ici. Oui. Parce que mon rôle d'un travail, mon père connaît comment mon fait pour travail. Arrête, père, travail. Parce que mon gars a des enfants, parce que mon père pour changer, ton père pour changer les enfants là, travail, sois un lit. Arrête de fonctionner de la paix. C'est un homme fatal. Et vous êtes, moi, motivé, même père. À cause de la paix. Combien de monde perd d'innocent? À cause de la paix. Tu as un certificat, un travail infini, établi pour toi. Tu as la capacité de t'apprendre. À cause de la paix, tu n'as pas qu'à avancer. À cause de la paix, tu n'as pas capable de performer dans ton travail. Beaucoup de monde me trouve ça, je vais me poser dans ce travail à cause de la paix. Ton chemin me fait errer. Je n'ai pas qu'à avancer. Et là, quand un chrétien paie à l'église, non, on n'est pas qu'à fonctionner de toute la vie. La paix, ça me dit Dieu. La crainte vient de Dieu. Quelle différence passe-t-elle entre la paix et la crainte? La paix, c'est qui te affolé, te l'équipe bat vite. Mais la crainte, c'est le respect. C'est la loyauté. C'est la révérence envers Dieu. La raison qui fait que je suis venu ce matin, pas parce que je perds mon Dieu. Je suis venu à l'église parce que je respecte et honore mon Dieu. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui peut comprendre moi ici là?
Nous n'avons pas vu l'église parce qu'il y a juste moi pas vu l'église, je mange là. Bon Dieu, vous frappe moi. Non, nous vu l'église parce qu'il nous a une révérence. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Nous, Mauriciens, nous détournons les choses. Nous appelons la crainte peur. Nous appelons la peur la crainte. Non. La crainte de Dieu, c'est le respect pour Dieu. Et la peur, c'est qui quand l'esprit te l'écoute, te n'en peut affoler. Amen. Une autre question encore ou la peur. La peur, c'est le seul moyen que le diable servit pour être enfant de Dieu. Des fois, nous pensons c'est simplement le péché, le péché, le péché. Non! La peur. Ça n'a qu'à parler sur la main ici, j'ai ma pasteur. Mon père donne quelque chose, moi. La majorité. Comment tu fais que moi, tu es un dimanche, tu fais un coup d'état, on fait mon mariage. Et vous, je me dis, paye attention à mon mariage, car c'est le deuxième semaine de mariage. Et moi, je suis tout le temps une habitude que mon papa montre moi. À chaque fois, mon trou, mon papa fonctionnait. C'est pour cela que bientôt, nous faire une conférence sur mon parent, mon porte à ça, s'écrit là avec Dieu. À chaque fois que mon trou, moi, pas de problème. Quand tu as libéré, paye, libéré, pleurer, trembler. Les galopés, il y a le montant, il y a le prier. Les galopés, rapide. Tout le prend ce bout de l'onction d'huile et que sur la Bible, il peut monter pour y aller prier. Que faire? Dans la présence de Dieu, qui a la paix. Amen. En dehors de la présence de Dieu, l'église dit, écoute-moi bien, pour y tout le temps la paix. Sorti dehors, la blier, bon Dieu, demain matin, halte de travail, faire tout ce qui te besoin faire, te pour dans la paix. Tant qu'il n'a pas de présence, la présence de Dieu dans tous les cœurs. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai. Nous payons beaucoup de choses aujourd'hui. Mon plus grand-père, c'était comment ce ministère? Qui est-ce que pour dire? Qui est mon camarade pour dire? Qui est mon frère, mon cher pour dire? Sanana qui vous dit, le Dala qui vous dit, parents qui vous dit, Hanana peut dire pas commencer, le Dala peut dire commencer, Sanana peut dire David, fais ceci, le Dala peut dire ne pas faire cela. Elle fait le frère, je dis, David, tu veux faire ministère? Ministère, comment tu as la côte dans les couches là? Mais mes seigneurs, mon vainque ça. Demande amen ici. Amen. Merci Saint-Esprit, mon vainque ça. Mais pour la peur, un taille rien nous commettre l'église. La plupart du monde qui divorce aujourd'hui, c'est pour la peur. Je perds des jeux dans les mains. Je perds quoi ça, je peux être demain. Est-ce que ça, je me là pour capable faire moi dans mon destinée? Est-ce que ça, femme là pour capable faire une femme qui vous supporte moi, comme au monde dans ma notaire? Ah, pas tout du monde qui est appelé pour vivre un avis bas. Et dans certains du monde, ou capable là, même ou mari ou femme qui est à côté de vous demain, puis c'est une première ministre. Alors pour abandonner, qu'est-ce que vous faites? Ou divorcer? Qui faire? La peur. Ou peut être en chaud demain quand il vient un homme un peu plus excellent, le quitte-toi. Alors avant le quitte-toi, tu finis quitte-lui. Parce qu'il te perd. La raison qui fait ça aussi beaucoup, tu fais bien dire, mon bébé, quand tu travailles, comment tu causes quand tu fais aujourd'hui, quand tu travailles? Tu j'ai de faire maçon? Ah non, 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 non. Tu j'ai dit que tu casses une quinzaine? Non. Tu viens travailler à la banque. Policier. Tu viens accepter de faire tout pour toi, là. Même si tu n'es pas connu, frère, tu rentres dans YouTube. Kata, 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 pa! Mon business, puis ça, là. Qu'est-ce que tu fais? L'argent. L'église, Moulin, annonce plein d'affaires ce matin. L'argent, papa, fasse la paix de tous les cœurs, ça. Donne-moi la main ici. L'argent, pas solution à la peur. La présence de Jésus qui est la solution à la peur. Ah, donne-moi la main ici là. La présence de Jésus qui est la solution contre la peur. C'est vrai ce qui m'a dit ici là. Parce que c'est devenu bizarre l'argent. Oui, pareil, moi je suis bizarre l'argent comme en haut. Mais seulement, moi, pas guette l'argent comme une question qui sécurise moi. Tout cela pour quitter un jour ça l'église. Donc on amène ici. On vous montre la ONU. Et on vit dans les mondes nus. C'est que vous avez peur, vous avez peur à Dieu. Mais pourquoi ça là? Sécurité, aujourd'hui nous sécurité, mais nous l'avons. Qui fait? Père. Nous père. Mais la paix ne va pas mener toi loin. La paix pouvait t'empêcher contre Dieu.
ça n'a que Dieu fin apparaître dans la Bible qui ne dit comme ça père. Jamais. Il dit lui ne crains point Marie, ne crains point. Allez chez Jésus même. Tout le monde qui est dans la Bible, Dieu dit ne crains point. Et non qui vient pour moi ce matin. Nombre chapitre 13, le verset 27 à 30. Maintenant, on commence à prêcher. Nombre, le chapitre 13, le verset 27 à, l'église que vous êtes moi ici, 27 à 30. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Si on n'a pas des enfants d'Anak, c'est un géant. C'est un homme qui mesure 5 mètres, 6 mètres hauteur. Si nous-mêmes nous trouvons un petit gain 5 mètres, 6 mètres, frère, mais nous pouvons perdre. Toi, tu as fait tout, tu as mis un sable, tu as fait tout, tu as fait tout, tu as envolé. Est-ce que vous pouvez comprendre ça ici? Nous avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitaient le contrée du Midi. Les Éthiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et au long du chemin. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons. Emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. L'église dit, moi, explique toi une affaire ce matin. Dans sa histoire-là, nous trouvons une question tellement importante. Moïse, avant que les Israélites rentrent dans la terre promise, j'ai ensemble avec moi la terre promise. Encore une fois. Venez, serviteur, on a deux bouteilles ici. C'est maintenant, venez ensemble avec moi. Venez ici, sœur. Venez ici. Rapidement. Ici, Moïse, devant la place que la Libye a conquérir. Amen. De tout mettre au moins ici. Ici, Saint-Milena, c'est la place que ça Moïse bisait rentrer. Mais avant que Moïse pour arrive là-bas, Libye passe une place que là, la Bible que j'ai ici, pour qu'il est capable, traverse sa place-là, et Libye arrive dans la terre promise. Et avant que Moïse sorte ici, pour y arriver ici dans ce destiné, il fait une question importante. Comment nous nous fait ici? Des fois, on verse une question sur notre cause. Qui nous fait? Nous avons un coup surpris. Ah, il y a un peu suivant ici là. Avant qu'il doit donner l'école, tu as un ticket sur Facebook, tu as un ticket. Comment l'école là, il dit? Hein, pourquoi avant que je vienne dans un rôle? Moi, sur Facebook là, pas cause mentir. Il me dit, mais pasteur Lingou là, il est de Dieu, il n'est pas de Dieu là. Pour que tu prennes cacher sur YouTube, lis de Dieu, il va de Dieu. Vraiment, Dieu. Les bons qui ont fait ça. Les bons qui ont fait ça. Et Moïse, il a eu 12 espions. Pour aller étudier sa place qui est au milieu, là. Et quand il a voyé, quand Banen rentre dans sa place, là, Banen trouve quelque chose d'extraordinaire. Il trouve le lait et le miel en abondance, c'est vrai. Pas un petit guide, en abondance. Moi, tout le temps, j'essaie de mettre une photo, le réseau, le Google, montre-toi qu'il y a un raisin, ça grossit là, vous êtes. Dans le pays, comme ça, Moïse, bizarre, aller là. Mais le problème, c'est quoi, pasteur? C'est qu'il dans ce pays-là, tiens, ici, les Amalécites qui habitaient le contrée, je vais suivre ensemble avec moi, les Éthiens, les Jébusiens, les Amoréens qui habitaient la montagne. C'est ça le problème qui est là avec nous chrétiens. Nous tous nous sommes destinés, c'est vraiment chi. Ils sont rentrés souvent des fois pour une ennemi là-bas. Ah, est-ce qu'ils peuvent comprendre moi ici? Place qui est bizarre rentrer souvent des fois, il n'est pas encore appartenu à toi, mais des ennemis de place là-bas. Des ennemis du monde là-bas qui peuvent être en face. Il dit, moi je suis le fils d'Anak. Est-ce que vous pouvez comprendre ça là? Fais ce qui te l'est, tu sais, tout le monde pour te gagner sa place là. Les problèmes pour te rendre là-bas, pas dépendent de Dieu, ils dépendent de toute la foi. Amen. Amen.
La Bible s'explique, moi, il y a 12 espions. Dis ensemble avec moi, 12 espions. Moïse, il y a mon donne jette l'autre. Maintenant, comment le principal sacrificateur allait étudier sa place là-bas là. Tous les 12, ils allaient bien gaillot, ils allaient étudier et tout. L'étranger retourne à Moïse. 10 là-dedans. Il dit à Moïse, c'est vrai, il y a raisin là-bas, frère. Pasteur, il y a raisin. Mon trou du miel, mon trou il est plein. Mais il y a un problème, Moïse. Et il y a un problème. Et il y a aussi un fils d'Anak. L'église dit, si tu pratiques la vision de l'impossibilité, tu as un problème pour Dieu. Donc moi, j'amène ici. Et la chrétien qui a trouvé problème, parce que problème, mon mari problème, mes enfants problème, tout dit, tout problème. Chrétien, change ta vision. Dieu te voit à côté. Dieu dit, change ta vision. Arrête ton problème pour Dieu. Jali. J'ai une toi comme ça qui lui boule de transport. T'as ton problème pour gagner l'argent. T'as ton problème pour gagner l'or. T'as ton problème pour économiser. Arrêtez de vivre dans l'impossibilité. Tu peux vivre dans la paix quand tu vis comme ça. Demande à Menji. Tu peux vivre dans la paix quand tu trouves l'impossible pour tout. Mais on fait qu'à rendre là. Bon, la paix, nous faisons ça sur place. Là, nous pouvons griller, nous pouvons mettre un deuxième culte. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Chrétien, réveille-toi la force ce matin. Si tu trouves l'impossibilité pour tout, tu n'as pas pour prospérer, jamais toi. Nous pas qu'à cause même langage qui demande peut causer l'église. Les mondes peut causer inflation, tu causes inflation, bon Dieu vous bénit tout. Les mondes peut causer ban langage bizarre, l'argent pas péché qu'il est. Tu dis de cause même langage. Dis-moi, tu vous bénis. Jamais l'argent pour qu'elle en vive une côte toi. Nous, ça la connaît, Dieu prospérer ici, les vous en met. Mais dans nous, la tête, il y a différent quelque chose. Dans notre, non, pas facile pour gagner l'argent. Mais quand tu dis pas facile, tu parles comment ça va me dire, ces espions? Oui. Dieu prospéré. Comment m'en est-il avec Moïse? Et il a dit là-bas, Moïse. Et il a le miel là-bas. Mais, dis ensemble avec moi, mais. Mais. Dieu te voisin, c'est un peu bizarre de dire là, ça. C'est un peu bizarre de dire là. Ça, mais là, est égal à la peur. Qui beaucoup chrétiens, il a. Pasteur, moi, il y a un ministère. Mais quoi? Mais ton père? Non, pasteur. Mon madame, mes enfants, c'est la peur. Pasteur, moi, capable de faire un business. Mais. Parce que c'est parce qu'il te paye dans les outils, c'est parce qu'il te paye pour commencer. Donc, quand tu commences un travail, tu es capable d'employer du monde. Mais. Parce qu'il te paye. Et c'est simple, grand péché qui nous capable de commettre. Et ici, il y a des quelqu'un qui m'ont tellement content. À ce moment-là, je sens ce moment-là pour moi. Qui m'ont extra content. Je suis Caleb. Ah, mon prophétise dans l'église ce matin qui devine une génération de Josué Caleb en chérie. Demande à main ici. J'ai deux voisins, tu es un Josué, toi. Ah, j'ai lui, viens un Caleb. J'ai lui, viens un Caleb pour deux générations. Viens un Caleb en cette génération. J'ai lui, viens un Caleb pour Maurice. Viens un Caleb pour Kiabip. Viens un Caleb pour Bambou. Ah, viens un Caleb. Et quelqu'un peut comprendre ce qu'il m'avait dit. Comme Moïse, il écoute maintenant. Moïse, comment il passe agneau, une responsable. Mais son assistant, il levé. Calaba. Écoute-moi, il arrive à l'église pour te fréquenter, man, du monde, comment je suis Caleb. Parce que je suis Caleb, il est là-bas. Oui, je dis d'aller. Je dis trouver qu'il y en a le lait et le miel. Je dis trouver qu'il y en a tout ce qui est là-bas. Je dis trouver aussi par le fils d'Anak. Donc, on amène ici. Mais quand je ne retourne, je ne cause différent. L'église DM, c'est ton voisin comme ça, cause différence à l'année là. T'as envie de réussir, cause différence à l'année là. T'as envie de prospérer, cause différence à l'année là. Il y a quelqu'un qui peut remplacer qui m'a péché ici là. Pas comme Jésus bien fort, s'il vous plaît. Comme en église. T'as envie de vaincre la peur. Ton langage bizarre, arrêtez, empêche-toi de réussir. C'est ça qui est là avec la différence qui est là en Josué. Caleb et aussi ça les jeux disent qu'il y a là. Bah non,
Je parle cause même langage. Suivez-moi ici, s'il vous plaît. Guette-moi ici. Guette pasteur ici, s'il vous plaît. Banda est un langage différent. Premier principe qui me l'est porté avec l'église ce matin, pour qu'il ne soit pas vaincre la peur, c'est le langage. Il y a un qui peut rembourser ça ici là. Quand tu changes de langage, tu changes l'atmosphère. Écoute-moi, quand tu viens à l'église ce matin, tu es un peu angoissé, tu es un peu peur, tu es un peu frustré. Écoute-moi, quand on commence à prier, donne ta tablette dans la main. L'atmosphère est changée. Écoute-moi, que l'atmosphère détermine qui parole ton l'orgue dans l'atmosphère. Quand tu causes l'atmosphère est changée. Ma femme vous comprend ça bien, même ma mari vous comprend ça bien. Hein, frère? Ou on veut la case est un trouble, à garçon madame. Vraiment, tu? Prépare-toi, garçon. Hein? Tu as envie une boule rouge levée que toi, à garçon madame. Les tout seul pour qu'on remette la case en l'ordre et les tout seul pour qu'on lève la case comme une vague. Donc, madame, madame? Oui. Qui fait? La parole prononcée. Quand ton père, qui te lance dans l'atmosphère? Quand ton père qui t'annonce, qui te l'orgue dans l'atmosphère, mon père, mon papa, vous capable, qui fait? Hein, Banadia ici. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Qui en a de la bouche ce matin? Je dis, j'ai bonne année, pasteur, bonne année, frère, bonne année, bonheur, prospérité, réussite. Il n'arrive jamais là, tu peux t'en donner un petit moment là. Hein, j'en viens, les gens commencent à trouver le Facebook là. Vraiment, si, langage, dis ensemble avec moi langage. Oui. La Bible dit la vie, la mort, l'eau, nous, la langue. Qui te cause? Te cause ton bourreau misère? Te bourreau misère. Te cause ton malade? Te bourreau malade. Ah, demain, amen ici. Te cause ton peine? Te pas peine. Mais quand te cause tu es là, te pour gagner. Ah, j'ai ton voisin à côté de toi, laisse-nous cause bonne parole, ça l'année là. Laisse-nous annoncer une bonne parole dans l'atmosphère. Parce que la parole qui t'a envoyé dans l'atmosphère, c'est ça même l'environnement qui te pour vivre. Ah, il y a quelqu'un qui peut rompre moi ce matin ici là. Annonce qui te pour marier. Annonce qui te pour gagner des enfants. Et l'église, est-ce que je te réveille ce matin? Demande-moi en main ici. Annonce que les choses pour changer cette année là. Annonce que c'est une année bénie. Une année réussite. Une année de prospérité. Et non pas l'année 2023 pauvre. Non, cette année là, mon point dans l'argent. À l'église, nous pouvons salon grâce à cette année là. Et là, qui peut comprendre ce qui m'a fait ici? L'année dernière, tu passes dans l'année, cette année là, tu peux. Ça dépend de l'autre langage de l'Église. Cause différemment cette année là. La peur allait quand tu causes. Écoute ça. Le roi David vit devant Goliath, serviteur de Dieu. Ah, il y a quelqu'un qui est sur moi ici. Il vit devant Goliath. Goliath, mais Jésus n'a voulu, il y a un chien devant moi. Le roi David prend la parole, il prend son micro. Il dit, écoute-moi bien, de la même manière qu'il me tourne un lion, me tourne un loup, me coupe de la tête, me donne ça à un oiseau. À l'église, ce matin, mon vie prophétise le week-end. Ça, l'année là, tu me tourne un chien, chez qui dans ta famille. Ah, demande-moi ici. Ça, l'année là, tu me tourne tout l'esprit de la misère. Lève-toi la main là-haut, j'aimerais recevoir cela. Tu me tourne tout un puissant, c'est un prêtre qui me fascine toi depuis des années. Demande-moi là ça. Et n'est-ce qu'il y a un peu comprendre moi ici? La puissance de la parole. La puissance de la parole. La parole qui te relâche dans l'atmosphère, c'est ça même résultat qui te vous gagner. Écoute-moi, la foi fonctionne avec parole, ça c'est vite en Dieu. La foi vient de ce qu'on? Et de ce que l'on vient de là? Vient de ce que l'on qui vient de comprendre moi ce matin? Annonce une bonne parole en 2024. Annonce une bonne parole en février. Annonce une bonne parole à tes enfants. Et ton boutou résultat à l'église. Moi, je tiens ton boutou résultat à cette année-là. Décidez pour vivre comme ça. Décidez pour abandonner la peur pour ton parole. David, pour qu'on touche son front. L'infini, j'ai mon beaucoup de la tête. Moi, vous donne ça aux anges du ciel. Les bachata la baba. Et là, qui vient de maman ce matin? Les pogos coupent sur la tête. Les vénitiens, moi, beaucoup de la tête. Hein? À cause de mon père David. Alléluia. Alléluia. J'ai moins de tuer des géants. Moins de tuer des géants. Ah, t'as demandé, est-ce qu'il y a un tuer des géants, toi? J'ai lu cause mal bon parole au même géant. J'ai lu cause mal bon parole au même géant. Et là, qui vient de maman ce matin?
décidé pour que je bon langage. Un chrétien couche, bon coucher. Du monde qui a été beau, maman russe. Du monde qui a été beau, maman russe. Quand mon fils commence à prospérer, tu dis, du monde dit, hein, les grands noirs, c'est les mes cochimes. Les grands noirs, c'est les mes tuyés. Frère, quand toi, tu te trouves moi pauvre, moi, tu les appelles qu'on fait ça. Ah, c'est pas l'État qui l'a mis ça, ça veut dire rendu. Non, c'est mon parole. Ah, c'est mon parole. Dis à ton voisin, ton parole pour amener ce qui t'a envie, ça va aller là. Ah, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Ah, est-ce qu'il m'a prêché ce matin? Est-ce qu'il m'a prêché ce matin? L'église vient mon annonce, toi, mets-toi debout ici. Lève-toi la main droite là-haut. Dans le nom de Jésus, nous prophétisons tout le monde qui tombé ça l'année là. Moi, annonce un changement ici. Tout le monde qui n'a pas gâché pour tomber ça l'année là. Tout le monde qui ne retourne pas pour moi avant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Moi, annonce un changement. Moi, annonce un changement. Changement de ta famille. Changement de ta case. Changement de ta finance. Donc je vous suppose ce matin, moi annoncer qu'il te bénit de mon amène ici. Moi annoncer qu'il te prospérer de mon amène ici. Moi annoncer qu'il est riche de mon amène ici. Donc l'homme Jésus ici. Alléluia. Caleb. Qui dit une version? Caleb fit taire le peuple. L'église aime, t'as envie de réussir 2024? Fais taire la misère. Oh. Fais taire la pauvreté. Fais taire le mensonge. Fais taire tout ça, mon démon. Tout ça, mon esprit, un peu qui me réclame, toi là. J'ai dit, me fais-toi taire ce matin. Ah, au nom de Jésus-Christ, moi, non, ce matin, moi, pose un silence dans le camp de la nuit. Moi, pose un silence dans la misère. Moi, pose un silence dans le manquement. Moi, pose un silence dans le nom de Jésus. La grande Sarah Bonjour là. Viens à l'église. Il y a pour te compenser à l'église. La différence qui est entre Caleb, Josué et aussi Satis, ces espions-là, c'est la puissance de la parole. Bana fin comprend une chose que nous chrétiens, souvent des fois, nous ne pas comprendre. Nous préférons faire palabre. Nous préférons critiquer, nous préférons cause du monde à la place qui nous cause avec des mots. Hein? Caleb et Josué, c'était un bon frère, vraiment tu? Des fois, ton entourage te disait qu'il n'y pas de raisonner avec eux. Ah, tu n'as pas compris moi ici là. Ton voisin dit toi, tu n'as pas capable de dire frère, tais-toi. Mais pour capable 2024. Donc, madame, ici. Ton famille dit toi, tu n'as pas capable de dire pour capable. Madame dit toi, tu n'as pas capable de faire ministère, j'ai dit moi pour faire le ministère. C'est ça qui pouvait grapper là. Quand tu écoutes un message de la foi bâtit toi, la foi élève toi. Paraît sans place, ouvert de la bouche. Frère Annie, mon appel, c'est un affaire marié important. Mon appel, n'a pas se laver. Maman, j'en ai enceinte, les bébés, prend de l'eau, lève de l'eau et lave l'aise. À cette époque, frère, c'est la salle rouge contre moi. Mon marché tous les jours. Et mon guette une prédication d'un passé qui appelle David Yon Kichou. C'est l'homme qui n'applique l'église au monde à cette année. 20 millions de places, frère. Mon Dieu Seigneur, qui m'a fait toi pour qu'il te pas cadeau moi trois du monde? Bonjour mon David, de la bouche. Ce qui te dit de la bouche, c'est pas arrivé. Ah, il y a qui vient de rompre moi ici là. Et vous êtes salés pour grapper dans ma salle à vie. Mon tout bon, madame Pébis, un lit d'excellence là. Et je ne connais que mon ancien. Dans le nom de Jésus, moi appelle ma sœur à vie. Moi tiens dans le monde spirituel, moi m'élis dans le monde physique. Au nom de Jésus, moi marche, moi côte côte. Moi coach avec toi, moi dis, hey, écoute-moi ici. Ton place pas là, toi. Banane, mets-toi là pour te venir contre moi. Banane, mets-toi là pour te venir contre moi. Moi appelle-toi à l'existence. Moi appelle-toi à l'existence. L'église, appelle quelque chose qui t'a envie de gagner ça l'année là. Arrête, père, appelle-lui. Il y a une toi, appelle-lui. Il y a une épouse. Est-ce qu'elle est capable de me ici là? Appelle ce qui t'a envie de gagner. Il est pour que les chrétiens remboursent ça.
faire taire et appeler. Est-ce qu'il nous a prié ce matin? Amen. Dis au nom de Jésus. Amen. Moi, appelle à l'existence. Tous ceux qui me misent. Salané là. Dans le nom de Jésus. Moi, appelle l'argent. Moi, appelle transport. Moi, appelle travail. Moi, appelle changement. Changement de mon mari. Changement de mon femme. Changement de mes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ouvre-toi la voix maintenant. Appelle ceux qui te misent à appeler l'église. Comment, tablette la main. Appelle ce qui nous appelle maintenant. C'est le temps. Vainque la peur pour la parole. Dieu, vainque la peur pour la parole ce matin. Vainque la peur pour la parole ce matin. Il n'y a pour qu'il doit agir. Mais il n'y a pour qu'il doit manifester de l'enfant de l'église. Il n'y a pour qu'il doit un environnement spirituel. Un changement 2024. Dieu, 2024 béni. 2024 m'a prospéré. 2024 m'a changé. 2024 m'a servi. Comment, l'église? 2024 est un changement dans le monde spirituel. Maintenant, c'est un changement de ma famille, un changement de mon travail, un changement de mon foyer, un changement de mon époux, un changement de mon épouse, un changement de mon enfant. M'appelle l'excellence, m'appelle l'argent, m'appelle prospérité, m'appelle transformation, m'appelle l'avancement, m'appelle le progrès, m'appelle la puissance de mon vie. Comment l'église, relâche à la fois là. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous mettons-nous dans nos places, s'il vous plaît. Et là, qui gagne, comprend le premier principe qu'il nous a fait? Causer. Que te vois, j'ai l'esprit de ne parler pour causer ça l'année là. J'ai dit, même si Goliath levé, causer. Tu es ici de cause dans ce causé. J'ai lu même si Goliath, j'ai toi, tu es mal élevé. J'ai Goliath, je m'en fous de toi. Mon pas pour les soins causés. Avant de causer, moi pour causer. Avant de dire, moi pour dire. Avant de annoncer, moi pour annoncer. Ah, il y a quelqu'un de grand pour moi ce matin-là. Demande-moi, amène ici là. Il arrive pour causer l'église. Arrête les songes causer de ici. Arrête les patrons causer de ici. Arrête les voisins causer de ici. La Bible dit comme ça, quand nous prions, crois que nous finissons déjà recevoir. La prière, c'est un langage. Allez, quelqu'un me rembourse ici là. Rentre dans la prière, annonce ce qui te besoin. Ce ministère est bâti pour la parole. Personne ne parle de sponsorisation, personne ne parle de financement. Mon appel l'argent. Comment on fait ça, pasteur? Simple, moi, appelle-toi l'argent. Hein? Ou bien, un langage. Non, appelle quelque chose que vous avez. Moi, pas trop content comme tout chrétien verra. Seigneur, me rends-toi grâce. Seigneur, me rends-toi grâce, moi, je finis gagner ça. Appelle ça des fois la prière paresse. Vous voulez que je mange ici? Vous voulez que je mange ici? Ou qui fait que je viens là pour la première fois, dans ça, excuse-moi. Mais ici, nous sommes un tueur de géants. Aïe. Écoute-moi, ici, nous comptons mettre la foi en pratique. Et ici, nous comptons appeler quelque chose qui n'est pas gros là. Un qui vient de comprendre moi ici ce matin. Appelle ce qui te vise à l'église. C'est ce qui m'a mon fait. Tout ce que vous trouvez ici, mon appelé. Ercon, mon appelé. Frère Benjamin, j'ai passé à vous donner. Mais si je ne peux pas t'appeler, je ne peux pas te donner. Et là, quelqu'un peut comprendre moi ce matin? C'est qui te visait crier lui. Quand tu visais tes enfants, comment te faire? Oh, ça te comprend. Oh, quand tu visais ton mari, qui te fait? Oh, mais tu as que l'argent, si tu peux, il y a une oreille, puis attends, toi, que ça. Ah, demande à main ici, là. Te foyer ici, puis attends. Tes enfants, puis attends. L'argent peut attendre toi, tu sais, dans un ensoiré. Comment l'église, qu'on est ensemble avec moi ce matin? Crier. Jour qui, le prophète inordonne moi, l'indien nous a fait qu'il bouleverse moi ce qu'il y a aujourd'hui. L'indien moi, David, te prends la voix pour cette génération. Moi, je suis le grand personnel. C'est moi la voix pour cette génération. À chaque fois qu'il doit mouvoir l'église, il y a un pasteur David pour prêcher comme ça. Vous voyez qui fait? Parce qu'il est la voix pour cette génération. Le diable vous est à moi.
L'ennemi, vous êtes à moi. Cherchez, vous êtes à moi. Peu importe qui sera, vous êtes à moi. Mon bâtiment spirituel, vous êtes à moi. Et quand je parle de la voix, vous êtes venu. Ah, il y en a qui vient de rendre à moi ici ce matin. J'aimerais la voix pour cette génération. À cause de mon nombre de DM, moi la voix pour cette génération. L'église vient de la voix, vient de la voix, vient de la voix, vient de la voix. Ah, il y en a qui vient de rendre à moi ici là. Vient de la voix. Il n'arrive là pour quitter le cocher. À chaque fois qu'il m'a étudié sa versée là, je comprends qu'il soit différent. Chrétien, aujourd'hui, tellement l'amour rempli dans nous le cœur. Je m'en cause par amour de pauvres pauvres. Vous avez besoin de mes caméras bon? Mes caméras loin. Hein? Par amour, je m'en cause de pas causer. Je cause pour faire le fait l'autre si je ne pas causer. Qui fait la Bible dire comme ça? Nous condamnons tout le langue qui est élevée en justice. Ah, il y a qui veut remonter cela. Nous renferme tout le gaucher de sépulcre. Qui fait des causes gauchers, lui cause la cause parce que tout le monde cause. Comme chrétien, aujourd'hui, dans ma mauvaise parole, au doigt. Maintenant, nous prions pour Dieu, nous disons au nom de Jésus. Tout le parole qui est élevée, du monde a se manifesté donc, mais qui fait? Et il y a une parole. Chrétien, écoute-moi bien. Peu importe qui s'en a cause contre toi, causez dessus. Peu importe qui s'en enlève la voix, causez dessus. Il y a une famille ou pas causée. Je dis à toi, tu vas pour réussir, moi pour réussir, moi. Ah, demande à main, demande à main, demande à main ici. Je dis à toi, tu vas pour capable, j'aime pour capable. Il y a pour qui je comprends ça bien. L'année 2024, c'est une année contre là, ton bisin ouvert, tu la bouche causée. Appelle mal quelque chose qui n'a pas de licence. La Bible qui dit, appelle mal quelque chose qui n'a pas l'existence à l'existence. Hmm? Qui m'a pas appelé? Que ton voisin dit, qui t'a pas appelé, ça va bien. Qui t'a l'autre voisin, un mauvais voisin, d'un côté, qui t'a l'autre voisin, j'ai dit, qui t'a pas appelé, ça va bien. Et là, qui vient de me comprendre ici, il est pour te commencer à causer. Dis-moi de la voix, moi. Jean, le chapitre 14, le verset 1er. La Bible déclare ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ah, moi, acclame Jésus. Écoute-moi, l'église, écoute ça. La Bible dit moi comme ça, dans Genèse, le chapitre 1er. Au commencement, partien à Nornier. Ça n'a croit en Jésus ici, lève-toi la main ici là. Qui ça n'a croit en Dieu? Celui qui croit en Dieu, il fait comme à Dieu. Au commencement, c'est évidemment de la terre était informe et vide. Et la Bible dit, Dieu dit. Ah, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Si moi je crois en Dieu et que mon papa il crée la lumière quand là c'est la ténèbre, alors il a voulu pour qu'il me ressemble lui. Aïe. Et là, qui me suit moi ce matin? Si mon papa est créateur, nous sommes un créateur. Ah, je ne pas me suivre moi ici l'église. Est-ce que me suis ce qu'il m'avait dit? Au commencement, à partir d'un an, la terre a été informe. Dis ensemble avec moi, informe. Pareil, comment nous aussi formes informe. Informe le mariage. Informe le finance, la vie financière, mais la forme. Quand on est juste comme ça, avant de rentrer, tu finis sorti. Avant de rentrer, tu finis sorti. Mais Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fût. Il y en a qui ne peut comprendre moi ce matin. Écoute-moi bien. Quel est ton problème pareil comme le monde tient forme? Quel est ton problème pareil comme Dieu inquiète le monde pas tient forme? J'ai au nom de Jésus. Moi appelle la lumière dans mon finance. Moi appelle la lumière dans mon mariage. Moi appelle la lumière dans mes enfants. Il y en a qui ne peut comprendre moi ce matin. Il n'arrive là pour te causer. Il n'arrive là pour t'annoncer. Celui qui croit en Dieu fait comme Dieu. Amen. Celui qui j'aime passer à moi dans la foi. Tenant la foi, manifester ce qui? Papa ne fait. Dieu ne crée. Matthieu le chapitre 10, le verset 28. C'est un verset qui m'a extra content encore. Mais tiens, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui fait périr l'âme et le corps dans la gêne. L'église DM, moi, j'ai annoncé une affaire. Arrête de perdre un saucier.
Personne va dire amen, ça veut dire je te perds. Non, non, je te perds. Moré, dis à l'église, dis à Moré, annonce-toi. Arrête, Père, m'en sorcier. Arrête, Père, m'en traiter. Arrête, Père, Père, pour qui son nom qui était, arrête, Père, je te. Quand je te cause, je te cause. Il y a quelqu'un qui peut comprendre ce qu'il m'avait dit ici. Arrête, Père. Arrête, Père, l'onganis. Arrête, Père, coco, casser, limon, couper. Arrête, Père, ça. Hein? Moi, je suis un agent du monde. Ça, coco, je peux couper là. Avant de te rappeler, moi, je finis consacré, limon. Avant de casser, limon, je finis moi, limon. Avant de moi, pas ça, de la main, finis moi, de la main. Il y a quelqu'un qui peut comprendre moi ici ce matin. L'église, écoute-moi bien. Dis à ton voisin comme ça. Si moi crois dans Dieu, c'est parce qu'il m'a un Dieu aussi dans la terre. Et la Bible dit, nous sommes des dieux. Et quelqu'un peut comprendre ce qu'il peut me dire. Un Dieu de pasteur ou un Dieu pasteur, allez dans Isaïe, après au téléphone, moi dans la semaine. Soit moi vous postez bien verser là le gros. Quand Dieu inavoue, merci Saint-Esprit. Quand Dieu inavoue Moïse devant Pharaon, qu'il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Je vous explique ça, c'est mes derniers. Qui fait Dieu, bizarre rencontrer Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre? Beaucoup de monde dit, Seigneur, ça sorcier là. Bon, je dis, non, mais fais-toi Dieu pour ça sorcier là. Beaucoup de monde dit, Seigneur, fais-le aller. Non, 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 toi, donne l'ordre. Toi, expliquer. Toi, donner une parole, les choses pour faire. Et n'est-ce qu'il peut bénir ce matin? L'église, ce matin, quand tu sortis là, elle donne l'ordre que toi. Amen. Tu es un homme ou tu es une femme ou tu es un jeune, elle donne l'ordre de l'étude. Donne l'ordre de l'ordre, donne un ordre. Et laisse les choses venir en réalité. Amen. Quand tu causes, qui tu veux passer? L'atmosphère, il s'en la voit, lui. Et n'est-ce qu'il peut comprendre? Caleb vient dire, hey, reste tranquille, rends-moi une service, reste tranquille, pas pratiquement passer là. Une trop apprendre, restez dans le silence. Restez dans le silence, frère. Restez dans le silence, tu peux m'étouffer là. Restez dans le silence, tu peux noyer. Restez dans le silence. Et il y a un moment qui nous a silencié, il y a un moment qui nous a causé. Ah, tiens ton voisin, l'année là, nous a causé. L'année dernière, tu restes tranquille, ça l'année là, tu nous a causé. Tu crois qu'on va applaudir le Seigneur Jésus-Christ bientôt? Je voulais donner dans l'assurance ce matin. La Bible dit comme ça. Matthieu le chapitre 10, le verset 30, des versets après. Et même les cheveux de ta tête sont comptés. Quand tu peux prier, quand tu connais quelqu'un qui peut faire quelque chose contre toi, des démons, même CV qui est dans le mot de la tête. Tu ne connais pas toi. Papa connaît. Papa connaît combien CV dans le mot de la tête. Ah, c'est la droite de blanc avec moi. Non, non, faut dire papa de ne pas permission pour attaquer moi. T'as pas besoin de moi l'église. Faut dire Dieu donne lui permission pour faire quelque chose avec toi. Mais tu viens dans l'assurance là. Et arrête de fonctionner dans la paix. Est-ce qu'il y en a qui vient de comprendre moi ce matin? Colossiens le chapitre 2, le verset 10. Pour un quelqu'un qui tout le temps fait face à une attaque, à un problème. Écoutez ça, verset là qui dit. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et autorité. L'église des âmes, écoute-moi ici. Arrête, prends. Des fois, quand tu donnes du monde, cause le diable, cause démon. Comment dire qu'il y a envie de croire? Le diable plus fort qui saisit. Hein? Quand tu donnes, c'est un quelqu'un cause le diable. Comment dire qu'il y a envie de croire? Saisit. Qui peut miser cabocher chez nous devant Satan? Ah, mon fini par annoncer l'église ce matin. Jésus est le chef de toute domination. Ah, demande amen ici là. Jésus est le chef de toutes sortes de démons. Jésus qui contrôle base. T'es le voisin, Jésus qui contrôle sa base. Et là, quelqu'un peut comprendre moi ici. Arrête fonctionner de la paix 2024. T'as besoin un médecin de ton coco la tête. Jésus qui contrôle tout. Et ça l'année là, moi pour avancer. Ça l'année là, moi pour réussir. Amen. Il y a quelqu'un qui peut rembourser qui m'a fait dire là. Amen. Est-ce que ça me fait ça pour rendre tout l'esprit ce matin? Pas les soins distraits, s'il te plaît. Ça l'année là, qui te pour passer.
Tout ça, l'année là, je ne connais pas l'église, mais à cause de moi, l'église, puis j'ai un changement. Il y en a qui ne peuvent pas comprendre ce que je veux dire. Tous les dimanches, moi, pour moi, toute la fois ici, là, moi. Tous les dimanches, moi, pour venir comme la pince. Si toi, dans sa zone de confort, là, toi qui comptes dormir spirituellement, là, tu peux lever ici. Regardez ce qui peut dormir ici. Ou pas pour que tu dormes ici dans l'église, demande amen ici. Amen. Nous, pas l'église traditionnelle, nous, l'église en mouvement. Nous, pas l'église traditionnelle, nous, l'église de la foi. Il y en a qui ne peuvent pas comprendre ce que je veux dire ici, là. Il est pour lever chrétien. Il est pour qu'une génération lever de sa pays là. Mais j'ai supplié bon Dieu pour quelque chose. Ou tout la femme perd des soins, tu supplies. J'ai dit chrétien, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi 5000 roupies. Appelle 5000 roupies là. Amen. Est-ce que vous me comprenez là? La religion te donne une formule pour supplier. La foi dit à toi, appelle-lui. Il y en a qui ne peut comprendre ici là. Arrête de prier, bon Dieu, pour qu'il soit bon Dieu, finis de toi tout. La Bible dit, finis, bénis-toi de l'Église céleste en Jésus-Christ. Amen. Appelle-lui. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre moi ici? Il n'est pas appelé. Vaincre la peur pour te langage. Moi, mon petit père, peureux, lâche, frère. Famille que j'ai, me reste tranquille. Papa que j'ai, te reste tranquille. Le diable de papa grave, te reste tranquille. Arrive un moment, frère, mon en colère. Mon relâche à la fois qui me caillait par mon enseignement religiosité et mon commence à manifester mon la foi. Parce que je dis aujourd'hui, je ne peux pas croire. Parce que c'est la vie comme je suis plein temps. Parce que c'est la vie comme je suis dans ce ministère, ça là, ce qui est là. Frère, je m'en fous de toi. L'appel qui m'a gagné, mon vainque, ça l'appelle là pour ça l'appelle là, moi. Et moi, pour continuer à faire les choses que Dieu n'appelle moi, personne, moi je dis bien, personne pas possible, moi je vais te rendre. Personne pas possible, c'est ce qui vient de commencer dans de la vie. T'es obligé dans ça la foi là? T'es obligé de croire ça? Aujourd'hui, tu es chrétien. Moi, ça fait qu'il fatigue. Moi, quand je viens de vérité à l'église, j'ai voulu le monde faire business prospérer. Chrétien commence un business janvier. Le 1er janvier, le 2 janvier, il était un business là. Je commence une petite chose là. Après, je. Et pourtant, je peux aller à l'église le dimanche. Demande-moi la Bible ici, maman Jana, s'il te plaît. Qu'est-ce que battement? Qui personne ne trappe sur la Bible comme ça ici, s'il vous plaît. Hein? Ça va, sœur. Ça va, frère. Frère, la Bible pas le faire pour mettre en bas les bras, ça. Demande à main ici. La Bible, il fait pour ouvrir la Bible pour qu'il vous gagne la foi, ou mange la foi, ou pour la foi, et qu'il vous mette la foi en pratique. Demande à main ici. Là. Et là, qui vient de comprendre moi ici, là. Arrêtez de vivre religieux. Arrêtez de vivre religieux, les chrétiens. Vive un père à la foi ici. Battement ici, le passage dans rien. Ah, faites-moi maintenant que je suis pour qu'on apprécie bien. Religiosité. Le diable peint du monde qui donne la foi, lui. Est-ce que vous pouvez comprendre? Le problème, c'est qu'il a religion. Il fait nous dormir. Chrétien, quand tout verser l'eau, reste en place. Le Seigneur pour combattre pour toi, reste en place, ça. Reste dans le silence. Si ça va verser là, nous connaît chrétien. Rends le Facebook, c'est vite en l'an d'eux. Attendez le silence. Dieu pour combattre pour toi d'exode. Le Seigneur pour venir tout pour toi, frère. Lève-toi la foi, appelle qui soit qui devait rôder 2024. Appelle-toi, mon Dieu, bien, appelle-lui. Servis, appelle-toi la voix, toi, essaye de la voix pour cette génération. Ton enfant, misère, qu'on est qui appelle la richesse. Ton mari, ton enfant, misère, qu'on est qui appelle le business. Et là, qui est appelé pour moi ici, là. Et le chrétien, Dieu pour faire tout, il finit faire tout, lui demande à la croix, il n'a pas accès au Père. Quand on rend un lieu très saint, on a libre accès pour demander papa, c'est qui te l'est. Nous attendons le Seigneur. Tu peux penser de vie spirituelle, là, ça, toi, tu dis oui, attends, t'as mon costume, toi, moi aussi, moi, attends. Ah, tu as besoin de coup de main pour attendre, moi aussi, mon costume, toi. Et le chrétien paresse. Je s'arrête chaque côté, il arrête Paris 2024. Hein? Quand on a prié, Seigneur, mon compte l'autre. Qu'est-ce que tu as prié? Monsieur, dis ça. Qu'est-ce que tu as prié? Seigneur, mon compte l'autre. Seigneur, moi, t'as l'autre. De celui qui combat pour moi. Lui, il m'a bouffé, non, il dit. Appelle ça chrétien, paresse. Tout ça fait, Seigneur, ça se démon là, toi-même. Une fois, il s'est téléphoné, moi. Ces enfants me manifestent avec des mots. Il peut prier, l'autre sur le téléphone, hein, l'autre sur le téléphone, comme ça. Et moi, je peux commencer à aller mon là. Il peut cause dans mon la prière. Seigneur, fais des mots là, les Seigneur.
La Bible dit, j'ai l'une de l'autorité pour moi, seulement c'est pour moi, les scorpions, le moins amène ici. La Bible dit, pose les mains, malades et malades seront guéris, mais un démon peut être sensé. Ça qui me comprend, moi. Qui fait? Qui fait ce vivre comme ça, mon chrétien vivre comme ça, c'est dans le monde? La pire. Je veux pas les prendre de responsabilité, je dis, chrétien, pas les prendre de responsabilité, maman, je veux. Je te l'ai commandé d'arriver au gros Dieu, faire tout pour Dieu. À cause Dieu suprême, à cause Dieu puissant, à cause Dieu grand, Dieu pouvait tout pour toi. Moi-même, tout le temps, on s'installe à l'église. Je suis content, content, je suis pas content, mais dans la foi, pour ça, me respecter ou la foi. La Bible dit celui qui est dans la foi pour manger les légumes, respecter celui qui est dans la foi pour manger la chair. Si vous avez manger les légumes, bon appétit. Moi, je crois comme un appel qui se vit. Et là, qui a pas compris ici? Moi, je crois comme mon Dieu qui se vit, il vit. Et là, du monde croit Dieu en dehors de lui. Non? Oh, Dieu ici là, Dieu ici. Seigneur, fais ça venir, papa. Arrête, couillonne-toi, Dieu dans toi. Je dis Dieu dans moi, Dieu dans moi, Dieu dans moi. Oui. Quand tu causes comme ça là, Dieu prend tes paroles, Kalabashanda. Lui prend tes paroles et il y a met ça en action et il y a mené quelque chose là vers toi. Et là, quelqu'un peut comprendre ce qui m'a besoin ici. La Bible dit la vie, la mort, l'ilonoulala. C'est que te dit, c'est quelqu'un qui va arriver. Arrête de faire travail pareil, c'est que Dieu. Seigneur, rends-moi un service. Seigneur, rends-moi un service. Qu'est-ce que ça va prier là, ça? Qu'est-ce que ça va prendre ta prière? Quand tu es dans l'église, toi. Seigneur, rends-moi un service. Seigneur, fais mon enfant, fais mon enfant. Ben, pose les mains, ça va dire au nom de Jésus. Démon qui va dire que toi, quitte-toi, allez, viens, bon enfant. Ah, demande à main ici, là. Pose les mains, demain, tiens, tu viens, bon enfant, pour tes aujourd'hui. La puissance de la parole. Il y en a qui gagne un peu comprendre moi ici. René qui fait Maurice, mais aucun réveil. René qui fait chrétien de Maurice, encore peut critiquer. Critique là-bas. L'église n'est pas bon. L'église n'est pas bon. Parce qu'il m'a passé un peu faire une paresse. Un homme de Dieu, il vient faire le peuple lever dans la foi et mettre sur la foi en pratique. Amen. Un homme de Dieu, quand je t'ai prié, tu as qu'à me prier pour toi, tout passe bien. Non. Frère, tu as un problème, me prier, tu as prié. Tu n'as pas prié, moi pas prié. Mais tu n'as pas envie quelque chose, comment vous faites quelque chose à l'avenir, moi? Moi, pas travail pour télépathie, moi. Non, 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 t'es obligé, non, la foi pour toi, c'est qui t'es obligé de gagner? Ah, l'église dit, mais qu'elle me comprend moi ce matin. T'es obligé, non, la foi pour toi, c'est qui t'es obligé de gagner, l'église. Et la chrétienne, je n'ai pas envie qu'elle ait un ennui, c'est pas passé à l'église. J'ai envie de passer à faire qu'il soit l'avenir. T'as pas envie que moi, mon gars, fasse ça venir, moi? Et te vois, j'ai dit, t'es obligé ce matin? C'est comme ça que 2024 peut changer l'église. Et là, qui vient de comprendre moi? Si tu as content parce que tu es venu très calme ce matin, alléluia, l'église, quel bonheur pour retourner à la présence de Dieu ce matin. Frère, ici c'est la foi. Donc, moi, amen, ici c'est la foi. Ici, nous croyons que quelque chose a fonctionné. Ça monte à l'église comme ça, je te présente des M. Ah, à partir de l'année 2024, frère, et là, quelque chose qui nous est passé ici. Et l'église, ça n'a jamais comme ça la misère bon. Vous connaissez qui fait la misère bon? Parce qu'il va couper de homie. Vous ne pouvez pas appeler l'argent qui vous a appelé? Comment passer David comme ça? A quelle mon première prédication du temps, je vais poser ça dans le groupe. Pasteur David, alléluia, amen, frères et sœurs. Gloire à Dieu. 20 fois, amen, dans la prière. 40 000 fois, alléluia, dans la prière. Papa appelle non. Non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu as prié. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. C'est quoi ça? Frère, appelle qui tu vous a appelé. Amen. Hein? Cause quelque chose qui visait dire. Et qui est là pour venir. La misère n'est pas bon pour vivre ça. La misère est bon serviteur au nom de Dieu. Pour la misère, on connaît comment quelque chose mon père dit. Parce qu'aujourd'hui, ça m'a connu. La famille, on connaît ça. On connaît un père dit un liché. Qui nous tient là, qui nous tient content. Faut deux, finances, les mots. Ça n'a jamais passé à cause finance, mon père dit beaucoup de choses qui m'ont dit content de mon vie ici. Mais l'année 2023, tu ne vives comme ça. Si tu aurais vécu comme ça en 2024, même principe, même la prière. Seigneur, attends-le toi. Seigneur, fais ceci. Non, on n'y était pas pour gagner. Ah, l'église, je peux suivre moi quand ça m'a bien fait à ce matin. Il n'est pour se servir la parole. Remarque bien. Là, là, surtout dans la foi, là. Vous mentir? Je vais pas dans la foi comme vous voulez là. Amen. Je vais la foi pas l'augmenter ce matin là. Vraiment, sinon, tu rentres à case. Vous pouvez terminer là. Hein? Tu rentres à case.
à l'écoute de mauvaises paroles. Tu n'es pas pour capable. Tu n'es pas pour réussir cette année-là. 2024, c'est l'année de bombe pour toi. Tes affaires, tu n'es pas pour réussir. 2024, pour pareil comme en 2023. Tu reviens pareil comme en 2023, mais tu es dans l'année 2024. La raison qui fait moi tout le temps courage de mon dire. Un membre qui a envie de réussir fréquente une église de feu. Amen. Oui, nous visons Simli et dans l'église Inmo. De moi, dans même ici. Et dans l'église Inmo et dans l'église qui est vivant. Tu fréquentes une église parce que c'est bénin, c'est ça, hein? Il dit, si tu fréquentes une église, une dead church, tu prends la vie spirituelle. Mort. C'est pour cela qu'il y a cet membre venu 40 ans. Je suis venu de l'église DM. Je suis tout passé presque comme ça. C'est bien, frère. Frère, c'est bien, frère. Frère, c'est bien. Après, je t'allais ici, là, les opérés tournés. Vous voyez qui fait? Il dit, si mon frère, quand le pasteur David, je vais venir comment aller, je préfère aller. Que faire? J'ai envie de vivre une vie chrétienne monotone. Campé dans l'ornier. Toutes choses concourent bien pour celui qui aime Dieu. Quand tes enfants malades, toutes choses concourent bien pour celui qui aime Dieu. Quand ton mari me trompe-toi, toutes choses concourent bien pour celui qui aime Dieu. Tes femmes trompe-toi, toutes choses concourent bien, frère. Vous préférez tourner dans le monde comme ça, moi? Vraiment, tu? Je préfère abandonner Jésus qui m'a pour subir tout bon problème qui va du monde qui pas contre Jésus subir. Que faire? Elle manque de foi et de vivre dans la paix. Beaucoup chrétiens, pas dire la Bible, je t'en ai un pasteur, dire toutes choses qu'on croit bien ceux qui aiment Dieu. Quand il y a toutes choses là, frère, toutes choses, toutes choses, toutes choses serviteurs en Dieu, vous connaissez quoi causer là? Arrête pour mon Dieu, cette semaine dernière. Arrête pour manifester la Bible. Fais ça venir un prétexte pour te pas manifester la foi de l'Église d'Hier. Démon béni à toi. Tu continues à dire toutes choses. Tu peux accepter démon nuit à toi de me dire toutes choses. Et réveillez-y là. Un tas d'affaires chrétiens, tu as accepté. Mais tu as accepté ça, tu peux vivre ça. À l'Église, je peux comprendre moi ici. Tu as accepté un problème, tu peux vivre ton problème. Mourir du monde quand tu joues un jeu. Frère, problème 1980. On peut régler l'arrivée 2024. Mais explique-moi. Ça veut dire que la Bible dit que je donne l'autorité pour mon serre pour le scorpion. Là. Non, tu peux attendre le Seigneur. Josué, Caleb, Panley, comprend ça pour attendre le Seigneur pour faire quelque chose. Lui. Remettre sa veste à la passe de l'église. Pour vous montrer, je te sais qu'il est à côté aujourd'hui. Qu'est-ce que Josué, Caleb, il dit? Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre qui? Contre Moïse, comme on a eu peuple mauricien, là, content de murmurer. Yo, papi capable, papi capable, papi capable. Parce qu'il y a peine à leurs enfants investis dans le business. Non, 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 arrêtez. Ce matin, je suis venu pour faire toi taire et pour faire la foi qui doit te le cœur augmenter. Demande à même ici. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous. Il dit, le Seigneur pour emparer. Chrétien DM ici là, l'Indien le Seigneur qui peut en parler? Qui s'en a l'Indien pour en parler? Qui s'en a un cousin qui est avec moi? Nous qui bizarre, en parler. Pareil comment tu es dans la vie chrétienne tous les jours. Toi qui bizarre, prends pas au bon terrain que Dieu nous donne toi. Arrête de mettre les deux bons dieux. Arrête de Dieu au 20 ans, il y a assez de travail pour les faire. Comment je te dis, vilain qui est un homme, une femme de foi? Crois un peu dans le chien naturel. Demande amen ici. Qui m'a aimé. Et il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Encore une fois, il n'est pas dit, Dieu sera vainqueur. Ah, demande amen ici là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça ce matin? Il n'est pas dit, Dieu sera, il dit, nous serons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça ce matin? Toute victoire qu'un chrétien gagne, c'est pour la gloire de Dieu, ça. Amen. Tout. Même si tu n'as pas dit gloire à Dieu, Dieu pense la gloire, lui, parce qu'il y a un Dieu jaloux, lui. Il n'est pas d'accord qu'il te pense la gloire, lui. Amen. Il y en a qui gagne, mais on pense qu'il m'a fait causer ici. Mais écoute-moi bien. 2024, l'église DM. Et il y a une bataille qui n'arrive pas pour qu'il te ici, tu commences à gagner. Demande amen ici. Amen. Et il y a un petit monde qui a commencé à dire, ça l'année là, il est changé. Demande amen ici. Ça l'année là, il est prospéré. Ça l'année là, il est réussi. Ses enfants passent l'examen. Son mari, il prend son. Ah, il y en a qui gagne pas pour moi ici, là. Et il n'arrive pas pour qu'il ça l'année là, du monde commence à causer un peu de toi. Même si Dieu devine orgueilleux, il dit, je m'en fous. Dieu bénit toi. Mais pour continuer à vivre comme ça. Amen. Et vous, je.
Moi, tout le monde apprend ça comme ça. Résultat, la foi, pour un chrétien, c'est qu'il dit que le monde est venu au guéri. Suive-moi. Oui. Résultat, la foi. La foi, dit que le monde ne comprend pas la foi, je veux. Dit que le monde comprend la foi. Dit que le monde comprend. Jésus-Christ n'a rien pour payer taxes. Il prend un. Il dit à Pierre, allez prendre poisson. Et un casse sur la gueule, prend sa paye taxe. Dit que le monde comprend ça. Dit que le monde comprend que Jésus-Christ est un bouc final, il n'est pas pour quelqu'un. Coup! Paf! Allez là-bas, la télé, j'ai de guérir. Dit que le monde comprend ça. Acceptez quand du monde j'ai devenu en noir. Acceptez quand du monde j'ai devenu orgueillé l'église DM. Crois-moi! Je ne connais pas ça manger là. Oui, frère. La foi. Pouvez t'en prendre une action qui tu mounes le monde pour dire c'est quoi ça? Mais résultat qui est important. À cause de ça, on trouvait dans Maurice, chrétien, excuse-moi le mot, je perds du monde païen. Qui tu mounes païen pour dire? Qui tu mounes païen pour dire? On s'en fout de ce que les gens pensent. Ce qui est plus important, être agréable devant Dieu parce qu'il me met de la foi en pratique. Qui ça du monde le monde pour quoi là? Daniel rentre dans la fosse de lion, lui fait un tue à la gueule sa manion là. Qui ça du monde le monde pour quoi ça là? Tu veux t'es un orgueillé, tu es un orgueillé. La foi peut être comprise seulement par les gens spirituels. Donc, on amène ici. Amen, l'église. Inarrivé pour devenir spirituel, dis ça à ton voisin à côté de toi. Dieu n'arrive là pour 2024 devenir un tigre spirituel. Il n'arrive là sans l'année là qui te commence à vivre de bas niveau qu'ils jamais te vivre. Il n'arrive là sans l'année là que tu sais un peu de billets Jack 10, Jazz Dev qu'ils jamais te tu sais. Oui, Jali. Qui est nous venir debout s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a qui a envie de bénir ce matin? On acclame Jésus bien fort s'il vous plaît. On acclame Jésus. À l'église de DM, le père fondateur est le pasteur principal et le signeur pasteur David. Il est marié à Diaconesse Mamoujoana, père d'un fils Esaïe. Il est aussi lecteur à l'école ministère et philanthrope et aussi écrivain de plusieurs livres. Conférencier de renom et pasteur principal, ses messages sont la jeunesse, la famille, la restauration, la loyauté et le rapprochement à Jésus-Christ. Premier jour, vous rappelez qui se passait premier jour. Moi, je suis venu pour être restauré et donc je fais restaurer. Le Seigneur fait restaurer la vie. Maintenant, bien, je dois y prier. Les enfants gagnent ce qui vit. Acclame Jésus s'il vous plaît. Acclame Jésus. Ceci dit, à l'église de DM, nous baptisons les hommes et les femmes selon le cœur de Dieu.